Merci, Dieu de gloire. God bless. Tu es bon pour nous ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous sommes en train d'élever nos voix parce que tu es bon pour nous ce matin. C'est toi qui as permis que nous soyons là ce matin, Seigneur. C'est à cause de toi que nous sommes là. C'est grâce à toi que nous sommes là. Oh, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, ô Dieu. Oh, ce n'est pas à cause d'un homme que nous sommes là. Nous sommes réunis en ton nom ce matin. Nous ne sommes pas réunis autour d'un politicien. Nous ne sommes pas réunis au nom d'un être humain quelconque, Seigneur. Nous sommes réunis en ton nom, Jésus. Et nous sommes reconnaissants que tu nous aies appelés à être ici ce matin et que tu nous aies donné la grâce d'être là. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur alors que nous sommes là ce matin? Pour le souffle de vie, nous sommes en train de dire merci. Pour le souffle de vie, nous sommes en train de dire merci. Pour le souffle de vie, nous sommes en train de dire merci. Merci au Seigneur, merci au Seigneur. Quelqu'un est en train de bénir le nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you, merci oh Lord. Pour ce nom qui nous a été donné. Oh, nous te bénissons, merci Seigneur. Merci pour cette assurance que tu nous accordes. Merci, Jésus. Merci, oui, Jésus. Merci pour cette paix que tu nous procures. Le souffle de vie que nous merci, portons, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Merci. La force que nous avons ce matin, c'est toi qui nous as donné cela, Seigneur. La force que nous avons eue cette semaine, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir conduits. Merci d'être notre bouclier. Merci d'être notre berger. Merci d'être le roi qui conduit nos vies. Merci d'être le roi qui dirige nos vies. Oh, ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer ta puissance. Nous voulons bénir ta grandeur, oh Dieu. Nous sommes ici en train de reconnaître que tu es Dieu dans nos vies. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Et c'est à cause de toi, Seigneur, que nous sommes donc ici. Nous voulons glorifier ton nom. Oh, comment? L'Église est en train de bénir Dieu ce matin. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es bon et digne de gloire. Tu es bon et digne de gloire. Dans le ciel, sur la terre. Merci pour ta présence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, merci. Merci, dans Père. Le ciel et sur la merci, terre, Père. Nul n'est semblable merci, à toi, Seigneur. Merci de rendre l'atmosphère favorable. Oh, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci de rendre l'atmosphère favorable. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Favorable. Nous te glorifions ce matin. Reçois notre gratitude. Reçois notre gratitude. Reçois nos remerciements, Seigneur, qui viennent du fond de nos cœurs. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les transformations. Merci parce que tu es Dieu en ce lieu ce matin. Merci parce qu'aucun autre nom n'est en ce lieu. En tant que Seigneur, tu es Seigneur en ce lieu. Tu es Dieu en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Oh, merci pour ta présence. Nous reconnaissons que tu es ici ce matin. Nous reconnaissons que tu es là pour nous faire du bien. Nous accueillons ta présence. Nous te disons sois le bienvenu. Nous disons que tu es ici ce matin. Nous déclarons que tu es ici ce matin. Nous déclarons que parce que tu es là, nos vies vont changer. Parce que tu es là ce matin, nos vies vont être bouleversées. Parce que tu es là ce matin, rien ne restera pareil parce que tu es là. Parce que tu es là, nous allons recevoir des réponses. Parce que tu es ici ce matin, oh, quelque chose va être bouleversé. Comment? Parce que tu es ici ce matin, quelque chose ne restera pas en place ce matin. Oh,
parce que tu es ici, un malade va être guéri ici dans cette salle. Parce que tu es ici, oh, come on, quelqu'un reconnaît la présence de Dieu. Tu es en train de dire merci d'être là ce matin. Merci Esprit de Jésus. Merci au Saint-Esprit parce qu'il est ici. Come on, parle à l'Esprit de Dieu. Dis-lui, je sais que tu es là ce matin. Oh, je sais que tu es là ce matin. Je sais que tu es là ce matin. Rosaïde Blas, je sais que tu es là ce matin. Tu es là pour guérir. Tu es là pour transformer. Oh, nous recevons ta présence ici. Et nous disons, sois le bienvenu. Comment? Nous disons, sois le bienvenu. Nous disons, sois le bienvenu. Nous disons, sois le bienvenu. Oh! Ya. Quelqu'un est en train de dire, sois le bienvenu ici en ce lieu, Esprit de Jésus. Irababasaka, losander le plan, shori le plan, irababasaka. Hey, my God. Tu es ici en ce lieu. Adieu, prends ta place. Esprit de Jésus. Oh, prends ta place. Libre de guérir, sois libre de transformer, oh. Sois libre de bénir, sois libre de bouleverser les vies, sois libre de transformer nos vies. Orababa kondo, shira sori le plat, irababa saka, sondere le plat, irasokare le plaide, sondorobo saka, sarababa kondo, sorababa kande. Tu es ici ce matin. Merci pour ta présence. Oh my God. Jésus est ici. Le Saint-Esprit est ici. Est-ce que nous pouvons accueillir le Saint-Esprit ce matin? Oh, dis-lui, sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu en ce lieu. Ressondere les plans. Tu es ici pour guérir. Ressondere les plans. Merci Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Manifeste-toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Glorifie-toi. Plus fort, car il est glorieux.
Nos mains pour l'adorer.
célébrons le souverain agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Pousse des cris de joie pour celui qui est l'agneau de Dieu. Pousse des cris de joie pour celui qui est l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie sans regarder à ton voisin? Dis, ne le regarde même pas, ne le regarde même pas. Regarde pas ton voisin, pousse juste des cris de joie. Célèbre Jésus. Célèbre celui qui est mort pour toi. Ton voisin ne pouvait pas le faire, c'est Jésus qui est mort pour toi. Ton voisin n'est pas mort pour toi, c'est Jésus qui est mort pour toi. Ton voisin n'a pas donné son sang pour toi, c'est Jésus qui a donné le sang. Oh, je disais quelqu'un, c'est... Oh, célèbre celui qui a donné de son sang. Oh, celui qui t'a donné sa vie. Oh, pousse des cris de oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vais te laisser acclamer le Seigneur. Je vais te laisser pousser des cris de joie. Je ne passe pas. De toutes les façons, on est ici pour louer Jésus. On est ici pour louer. De toutes les façons, c'est pour Jésus qu'on est là, n'est-ce pas? Ça, on va l'acclamer, on va pousser des cris de joie. Oh, oh, oh. C'est pour Jésus qu'on le fait. C'est pour Jésus. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour Jésus. Ce n'est pas pour la chorale. C'est pour Jésus. Ce n'est pas pour les musiciens. Oh, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Oh, je disais pousse des cris. Oh, je disais pousse des cris de joie. Regardez à votre voisin, s'il vous plaît. Dites-lui, je veux louer Jésus là. Regardez-lui droit dans les yeux, je veux louer Jésus. Dites-lui, vous ne me faites pas peur. Cher voisin, je veux louer Jésus. Poussons des cris de joie pour le Seigneur. Poussons les cris de joie. Est-ce qu'on peut joindre les mains? Je disais, joindre les mains. Joindre les mains, joindre les mains pour le Seigneur. Joindre les mains pour le Seigneur. Oh, joindre les mains pour le Seigneur. Joindre les mains pour le Seigneur. Oh, joindre les mains pour le Seigneur. Joindre les mains pour le Seigneur. Woo! My God. Écoute ceci. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Est-ce qu'on peut aller les amis? Let's go, toute louange à notre Dieu, à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu, à notre Dieu. Toute louange, louange, oh, oh. Toute louange à notre Dieu, à notre Dieu. Oh. Je vais laisser la vie chanter. Toute louange, let's go. L'adoration à notre Dieu, toute louange, oh, oh, à notre Dieu, crie-le très fort, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, oh, oh, à notre Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui ceci. Chante alléluia, dis-lui. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire alléluia à notre Dieu. Toute louange, oh, oh, à notre Dieu. Regarde bien ton voisin, dis-lui. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire alléluia à notre Dieu. Toute louange, oh, oh, à notre Dieu. Est-ce qu'on peut joindre, joindre nos mains? Let's go. Ok, je disais joindre nos mains. Est-ce qu'on peut, on peut joindre nos mains pour le Seigneur? Joindre nos mains pour le Seigneur. Oh, je disais joindre nos mains pour le Seigneur. Je disais joindre nos mains pour le Seigneur. Oh, joindre nos mains pour le Seigneur. Ah. Oh, oh, oh.
Dieu. Toute l'adoration, toute l'adoration à, corps, à notre Dieu. Toute louange, toute louange, oh oh, toute louange à notre Dieu. À notre Dieu. Crie la très fort. Toute louange, toute louange à notre Dieu. À notre Dieu. Toute l'adoration, toute l'adoration à notre Dieu. À notre Dieu. Toute louange, toute louange, oh oh, notre Dieu. Je disais chante, chante alléluia. Chante alléluia, yeah, à notre Dieu. Gloire, alléluia. Car alléluia, à notre Dieu. À notre Dieu. Toute louange, toute louange, oh oh, toute louange à notre Dieu. À notre Dieu. My God. Je disais chante alléluia. Chante alléluia, yeah, à notre Dieu. Gloire, alléluia. Car alléluia, à notre Dieu, Dieu. Toute louange, toute louange, oh oh, toute louange, yeah, à notre Dieu. Je disais pousse des cris de joie. Je disais poussons des cris de joie. Alléluia, yeah. Il y a une partie qui nous saisit. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, mon guérisseur, mon guérisseur, libérateur, libérateur. Oui tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, mon guérisseur, mon guérisseur, libérateur. Juste dans l'église, Dieu. Mon guérisseur. Libérateur. Dis-le lui. Oui, tu es. Oui, tu es. Tu es mon sauveur. My God. Mon guérisseur. Libérateur. Oui tu es, oui tu es, plus fort que les voisins, Dieu. Ha, ha. Libérateur, my God. Oui tu es, oui tu es, Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Mon guérisseur. Lève la voix. Ouh. C'est une déclaration de foi. Libérateur. Oui tu es. Oui tu es. Crie-le comme un homme de foi. Dieu. Mon guérisseur. Est-ce que tu peux joindre les mains? Joins les mains. Libérateur. Oui tu es. Oui, tu es un peu plus fort. Dieu, mon sauveur. Mon guérisseur. Woo! Libérateur. Oui, tu es. Oui, tu es. Je dis Dieu, mon sauveur. Dieu, mon sauveur. Mon guérisseur. Mon
passant, c'est pas ton voisin qui te guérit. Je disais, en passant, c'est pas ton voisin qui te guérit. C'est Dieu qui te guérit. Oh. Il est celui qui te guérit de toutes les maladies. Oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour celui qui te guérit? Tu peux pousser des cris de joie pour celui qui te libère. Tu peux pousser des cris de joie pour celui qui te sauve. Pousse des cris. My God. Transforma le en vin. Tu guéris l'aveugle par ta main. Nul comme toi. Quand et puis il dit dans les ténèbres. Dans les ténèbres tu vis. Tu nous redonnes la vie. Je sais que tu as compris ce que tu chantes. Je sais que tu comprends ce que tu... Tu transformes. Tu guéris l'aveugle par ta main. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Comme toi. My God. Yeah. Je dis dans les ténèbres, tu... My God. Et tu nous redonnes la vie. C'est ça. Nul n'est comme toi. Aïe, 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 comme toi. Est-ce que tu sais que Jésus est en train de t'écouter? Dis-le lui, tu transformes. Guéris la feuille par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Je dis dans les ténèbres, oh my God. Et tu nous redonnes la vie. Yeah. Comme toi, oh, comme toi, nous disons Dieu, Dieu admirable. Ton nom, woo, Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, on y va, Dieu admirable. Merci. Ton insupport, Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, maintenant pousse tes cris de... Je disais pousse tes cris de joie. Je disais célébrer le roi. Je disais célébrer le roi. Je disais pousser des cris de joie. Je disais pousser des cris de joie. On y va, tu transformes comment? Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Et comme toi. Et comme toi. Comme toi. Sur la terre comme toi. Oh, je dis Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle. Dieu le miracle. Incomparable. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je dis Dieu admirable. Oh ça, inébranlable. Ton nom surpasse. Ton nom surpasse. Dieu le
Quelqu'un pousse des cris de joie. Hey! Hey! Quelqu'un pousse des cris de joie. Je dis quelqu'un pousse des cris de joie. Je dis quelqu'un pousse des cris de joie. Je dis quelqu'un pousse des cris. Dieu inspirant. Dieu admirable. Il est par là. Inébranlable. Son nom. Son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Incomparable. Incomparable. Oh Dieu. Je pensais qu'on venait de dire qu'il était un Dieu de miracles. Yes. Oh, je pensais qu'il était un Dieu qui fait l'impossible. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Célébrer le Dieu des miracles. Je disais, célébrons le Dieu des miracles. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jésus en est digne, Jésus en est digne. Oh, come on, come on, come on, come on. Pousse un cri. Oh. Je disais pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri. Oh, oh, oh. Pousse un cri. Alléluia. J'aime l'expression de Papa Michel qui dit parfois il faut tellement acclamer que même les démons ont mal à la tête. Est-ce qu'on peut donner un mal de tête au diable, au démon, par des cris? Oh! Je disais, pousse les cris de chut! Alléluia! Gloire à Dieu! Je ne sais pas si vous connaissez ce chant que nous chantons ici, qui dit: tu m'as ébloui par tes mélodies. Tout un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, devant. Et tous mes craintes sont fuies. Tu m'as ébloui par ces mélodies, par ces mélodies. Tu m'entoures. Tout un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis, devant mes ennemis. Notre Dieu est un Dieu de délivrance et toutes mes craintes s'enfuient. Dis-le encore, tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Oh. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Oh my God. Chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et tous mes craintes sont fuies. Oh my God. Le refrain dit: je ne suis plus esclave de la peur. On peut le dire, come on. Je ne suis de la peur. Je suis enfant de Dieu. My God. Le genre des déclarations qui fait peur au diable. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Dis-le encore. Oh, je ne suis plus. Oh. My God. Je suis enfant de Dieu. Deuxième couplet dit quoi? Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé. Oh my God. Je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. My God. Dis-le encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, oh. Tu m'as appelé, appelé par mon nom, pas par le
nom de quelqu'un d'autre, par le nom que tu m'as donné. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Oh, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis. Je suis enfant de Dieu. My God. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je dis, tu fends la mer. Tu fends la mer. My God. Mes pensées noires. Seigneur, tu sauvé, alors je suis enfant. Crie l'autre fort, tu fends la mer. Hey, 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 mes peurs se noient. Jésus, juste à l'église, tu m'as sauvé. Je suis enfant de Dieu. My God. Je veux que tu sortes toute la voix que tu as. Tu fends la mer. Mes peurs se noient. Jesus. Seigneur, tu m'as sauvé. My God. Je peux chanter. Hey! On y va les amis. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis de Dieu. Je suis. Je suis enfant de Dieu. My God. Hey. Je suis enfant de Dieu. My God. Hey. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Juste l'église. Mes pères se noient. Jésus, my God, tu m'as sauvé. Je suis enfant de Dieu. Oh my God, regarde la maladie qui est devant ta. Déclare, tu fends la mer. Tu peux traverser la maladie avec Dieu, c'est possible. C'est possible de traverser le cancer. Me peur. Seigneur, tu m'as sauvé. Jesus. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a été sauvé peut acclamer pour son sauveur? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Tu as une raison de le louer ce matin. De le louer ce matin parce qu'il t'a sauvé. Bien-aimé, Dieu t'a sauvé pour un but. Il t'a libéré pour que tu puisses le servir. Il t'a libéré pour que tu puisses le louer. Il t'a libéré pour que tu puisses l'adorer. Donc ce matin, même si tu n'as
n'as pas la chose que tu attends encore, mais tu as une raison valable pour le louer. Tu as une raison valable pour le louer, parce qu'il t'a sauvé. Est-ce que les sauvés de l'Éternel peuvent l'acclamer ce matin? Acclamer comme quelqu'un qui est sauvé, comme quelqu'un qui est libre, comme quelqu'un qui n'est plus dans les chaînes. L'Éternel ce matin, et nous vous souhaitons la bienvenue de nouveau. Vous êtes déjà là, mais nous voulons juste vous saluer. Et nous saluons tous les bien-aimés qui sont connectés en ligne et qui veulent rendre ce matin un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Et Dieu va nous faire du bien ce matin. Il va nous faire encore du bien ce matin. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons accueillir quelqu'un. Vous savez, quand Dieu vous bénit le lundi, vous lui dites merci. Il vous bénit le mardi, vous lui dites merci. Le mercredi, vous lui dites merci. Vous allez lui dire merci tous les jours, parce que nous ne voulons pas nous habituer aux bénédictions de l'Éternel. Amen. Il ne faut pas s'habituer aux bénédictions de l'Éternel. Donc on ne veut pas les prendre pour acquis. Et ce matin, nous voulons accueillir quelqu'un. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans la maison. Mais nous ne voulons pas prendre pour acquis toutes les fois qu'il vient ici. C'est la même personne. Vous allez dire, je le connais. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu. Oui, c'est la même personne. Le messager de Dieu, il vient, mais aujourd'hui, il ne vient pas avec le même message. C'est le même Dieu qui l'a envoyé, c'est la même personne que vous allez voir, la même voix que vous allez entendre, mais ce n'est pas le même message. Ce n'est pas le même message. Voilà pourquoi je te demande, je t'encourage à rester concentré, parce que j'ai la conviction qu'il a quelque chose pour toi ce matin. Il a traversé, n'est-ce pas, l'océan. Il vient de Paris, apôtre Douglas que vous connaissez sans doute. C'est un messager de l'Éternel ce matin. L'apôtre Douglas, il est pasteur titulaire de CEP de Paris, Centre évangélique Puissance de la Résurrection de Paris, est responsable des extensions. Et il y a une extension ici à Ottawa, CEP Ottawa, qui est dirigée par notre bien-aimé, pasteur Aimé, que nous avons toujours le plaisir de recevoir et de revoir dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Douglas, vous voulez juste prendre place pendant que je termine avec ceci. L'apôtre Douglas est notre partenaire, un des partenaires que nous aimons vraiment. Parce que chaque fois qu'il vient dans la maison, il apporte un message particulier et un message ciblé pour toi aujourd'hui. Mais c'est aussi quelqu'un, je ne sais pas s'il a le temps de dormir parce qu'il écrit. Il écrit beaucoup, je me demande à quel moment il trouve le temps de dormir. En tout cas, mais l'essentiel c'est qu'il soit là, que Dieu lui donne un sommeil paisible et reposant, de sorte que le matin il peut encore le servir. Il a amené deux de ses ouvrages, j'en ai deux ici. Jésus-Christ, le mystère de Dieu, et le deuxième ouvrage qu'il a écrit, que j'ai, brisé les liens spirituels. Donc ces ouvrages seront disponibles auprès de notre sœur Betty à la fin de ce service. Vous pouvez vous les procurer. Il n'y en a pas beaucoup, moins de 10 exemplaires. Hein? Donc il y en a 4 à peu près de chaque. Donc vous pouvez vous les procurer. Mais en attendant, je vais laisser l'apôtre Douglas pour nous donner ce que Dieu a mis sur son cœur. Les applaudissements pour Jésus. Je viens dans ta présence, dans la communion.
recevoir de toi. Bénis nos vies, bénis ton peuple. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Prenons grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour chaque personne qui a quitté sa maison, qui est connectée ce matin, en communion par l'Esprit de Dieu. Je prie que tu puisses nous conduire, nous instruire et nous parler de ta part. Dispose nos cœurs et dépose, Seigneur, ta semence incorruptible. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, je vous prie de prendre place. Je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis encore le Seigneur d'être là ce matin. Un grand merci à mon frère et ami, le docteur Michon, ainsi que Cici, que Dieu vous bénisse. Et je bénis également tout le corps pastoral, le pasteur Harry, le pasteur Robin, ainsi que tous les serviteurs de Dieu de la maison. Dieu m'a mis à cœur ce matin de nous partager sur un thème intitulé « La saison du ciel ouvert ». Amen. Nous allons prendre rapidement trois textes. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, le verset 13 à 17. Nous allons lire rapidement. Ensuite, nous allons prendre Luc, au chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Matthieu, au chapitre 3, le verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean et pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Et Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Luc au chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon fils bien-aimé et en toi j'ai mis toute mon affection. » Jean au chapitre 1er, à partir du verset 46 jusqu'au verset 51. Jean au chapitre 1er, verset 46 au verset 51. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, tu étais sous le figuier et je t'ai vu. » Et Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » le roi d'Israël. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. La saison du ciel ouvert. Les trois textes que nous venons de lire, en effet, nous dépeignent donc des grandes vérités qui sont attachées d'abord à la vie, mais aussi au ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Et voyez-vous, le jour de son baptême, il va se rendre auprès des gens pour être baptisé par lui, non parce qu'il était pécheur, mais simplement il devait montrer la voie et le chemin. Et la Bible déclare que pendant qu'il se faisait baptiser, il est sorti des eaux du baptême, Jésus se mit à prier. Et pendant qu'il priait, quelque chose va se passer. Le ciel va s'ouvrir. C'est alors le texte que nous venons de lire. Et l'Esprit de
Dieu va descendre sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et va se poser sur lui. Et une voix va parler depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Quand on parle de ciel ouvert, ça veut dire qu'autrefois le ciel était fermé. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut ouvrir que quelque chose qui était au préalable fermé. Amen. Et Jésus-Christ, justement, lorsque il va commencer son ministère et il va rencontrer Philippe, et Philippe va parler de Jésus à son frère ou à son ami Nathanaël, et il va avoir un entretien. Et dans cet entretien, Jésus va dire encore à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Il dit, mais désormais, tu verras de plus grandes choses que ce que tu as vu. En réalité, lorsque le ciel s'ouvre, c'est des grandes choses qu'on commence à vivre et qu'on commence à expérimenter. Et je prie que cela soit la part de chacun d'entre nous ici. Il dit, vous verrez désormais, Jésus dit, vous verrez désormais. C'est-à-dire, autrefois, ce n'était pas le cas. Mais à partir de moi, désormais, le ciel sera ouvert. Et vous allez voir des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. En fait, cette parole de Jésus nous rappelle en réalité une vision ou encore un songe qu'a eu Jacob. Quand nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 28, on nous dira que Jacob va arriver dans un certain lieu, dans la ville qu'on appelait Luz, qui va être baptisé plus tard Bethel. Et là, il va prendre une pierre, alors qu'il a dû commencer à tomber, il va l'utiliser comme un oreiller, comme un chevet. Et pendant que Jacob dormait, Dieu va lui donner une vision. Il va avoir une visitation divine, ses yeux spirituels vont s'ouvrir et il va voir le ciel qui était ouvert. Et il va voir une échelle qui touchait le ciel et qui était appuyée sur la terre. Et Jacob regarde et il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit des anges qui montent et des anges qui descendent sur l'échelle. Et il se réveille. Il va dire non, que ce lieu est redoutable. Il dit, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Il dit, je ne savais pas que ce lieu était redoutable. Ce lieu où il était, où il se tenait, était devenu redoutable, était devenu particulier, était devenu spécial. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait quelque chose de glorieux qui venait de se passer. Le ciel était ouvert, il y avait une activité, il y avait un mouvement entre le ciel et la terre. Et Dieu me dit, pendant que je priais, de dire à quelqu'un et de dire à l'église, quelque chose depuis un certain temps a commencé. Amen. Le ciel est en train de s'ouvrir. Amen. Il va avoir une activité entre le ciel et la terre. Amen. Un mouvement de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Amen. Nous sommes rentrés dans la saison du ciel ouvert. Alléluia. Amen. Et il ne savait pas, il s'est réveillé, dit, je ne savais pas que ce lieu était redoutable. Bien aimé, il est possible que le ciel soit ouvert et de ne pas savoir que le ciel est ouvert. Il est possible d'être à un endroit où le ciel est ouvert, mais vous être distrait. Jésus n'était pas distrait. Jésus savait que le ciel était ouvert, mais Jacob était distrait. Oh, je te prie, dans ce temps qui sont les derniers, ne sois plus distrait, sois sensible. Yes. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle pour ne pas passer à côté. Sinon, ton ciel risque d'être ouvert et que tu passes à côté. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas passer à côté. Je refuse en 2022 de passer à côté de mon ciel ouvert. Yes. Il dit, c'est ici la porte des cieux. En réalité, Jacob a vu cette porte. Et j'aime la Bible parce que la Bible est remplie des images, est remplie de choses, mais tout ça était symbolique, était prophétique. Quand on parle de porte, bien aimé, en réalité, la véritable porte, c'est Jésus. Il dit dans Jean 10, je suis la porte des brebis. Oh, je suis la porte du ciel. Une
porte, c'est une ouverture. Une porte, c'est une entrée. Une porte, c'est un accès. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te donner des accès. Yes. Dieu va te donner des ouvertures. Amen. Dieu va faire en sorte que tu puisses accéder là où c'est impossible, où c'est difficile pour les autres d'y accéder. Amen. Oh, si je parlais à quelqu'un, tu peux dire amen. Amen. Enfin, si c'est de toi que je parle, si c'est de toi que Dieu parle, dis amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La porte des cieux. Jésus est la porte, mais Jésus est aussi l'échelle. Il n'est pas seulement la porte, il est l'accès, mais il est aussi le chemin, il est aussi la voie, il est aussi le moyen, il est aussi le médiateur. Rien ne peut se faire sans lui. Amen. Alors, pour aller plus en détail et mieux comprendre c'est quoi le ciel, on va d'abord définir le ciel. Amen. Selon la parole de Dieu, déjà le mot ciel, en hébreu, c'est shamayim. Et en grec, c'est ouranos. Voici les deux expressions qui nous parlent donc du ciel. Et selon la Bible, il existe trois sortes de ciel. Premier type de ciel ou première sorte de ciel, c'est le ciel atmosphère ou encore l'atmosphère que vous voyez, dans lequel nous sommes, et le firmament. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 1, versets 6 à 8, ainsi que Genèse chapitre 1, le verset 14 au verset 16. Le premier ciel, c'est l'espace, là où nous sommes, là où il y a l'atmosphère. Mais c'est aussi la dimension, je dirais, de l'espace. Quand vous sortez de la couche de zone, vous sortez de la terre, vous entrez dans l'espace. Et dans l'espace, vous avez des galaxies. Et selon la science qui confirme les Écritures, il existe des centaines et des milliers de galaxies. Et nous sommes dans cette galaxie qu'on appelle la Voie lactée, avec le système solaire, n'est-ce pas? Où le soleil, tout gravite autour du soleil. Bien aimé, tout ça, c'est le premier ciel. Le ciel que Dieu a créé. Ce ciel infini, où il y a le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, les comètes, et qu'elles en passent, que vous ne pouvez explorer. Même les années mille, les milliards d'années ne sont pas aussi suffisantes pour explorer le premier ciel. Et nous avons un Dieu qui a créé cela. Alléluia. Ça, c'est le premier ciel, où toi et moi nous vivons. Mais quand je parle du ciel, je ne parle pas d'abord de ce ciel-là, parce que tous nous sommes sous un ciel ouvert, n'est-ce pas? Deuxième type de ciel que la Bible parle, c'est le ciel astral. Selon Éphésiens chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les dominations. D'accord? Donc, il y a des esprits qui sont dans le lieu céleste. Et ce lieu céleste n'est rien d'autre que le deuxième ciel. Là où Satan, Lucifer et une classe de démons ont établi leur quartier général. Et ce ciel n'est pas visible. Ce ciel est invisible. On ne le voit pas, mais il opère. C'est ce ciel qui est comme une sape de plomb qui empêche nos prières de monter ou encore l'exaucement de Dieu de descendre. Pourquoi? Parce que dans la dimension spirituelle, il y a un ciel où Satan, n'est-ce pas, essaye de régner, de dominer pour empêcher, fermer l'accès à nos prières. Bien aimé, tu vas le comprendre. Deux textes qui vont nous aider à comprendre cela. Amen. Lamentations chapitre 3, verset 44. Vous pouvez le lire. Amen. Et Daniel chapitre 10. Je nous propose plutôt Daniel 10 à cause du temps. Regardez ce qui est écrit dans Daniel au chapitre 10. On peut le prendre rapidement. Daniel était un bien-aimé. Il s'est levé. Il a commencé à prier. Et la Bible déclare que depuis le jour où il a eu à cœur de prier, de porter le deuil pour son peuple, quand il est tombé sur les écrits de Jérémie, qui disait que la captivité à Babylone devait durer 70 ans, l'ange a été envoyé.
Dieu a répondu à sa prière. Bien aimé, quelquefois nous prions, dès le jour, le moment où tu te mets à prier, la réponse est déjà libérée, relâchée par Dieu. Mais entre le temps où la réponse est relâchée et la manifestation, la concrétisation, on a l'impression que ça dure, on a l'impression qu'il y a une lutte. En effet, il y a une lutte. En effet, la Bible dit qu'il y avait le chef de Perse et de Mède, qui sont en réalité des esprits territoriaux, des esprits qui siègent dans les cieux, qui ont retenu Gabriel captif. Et c'est par la persévérance de la prière de Daniel que Dieu va libérer à nouveau le guerrier qui est Michaël pour venir secourir Gabriel afin que la réponse soit donnée. Bien-aimé, il y a un combat, il y a des luttes dans le deuxième ciel. Amen. Et c'est là qu'on trouve la reine du ciel. Selon Jérémie chapitre 7, on nous parle de la reine du ciel qui domine, qui est en réalité cette divinité qui est adorée par plusieurs peuples, notamment les Éphésiens. Chez les Éphésiens, on l'appelle la Diane des Éphésiens. Cette divinité, Artemis, cette divinité qui bloque tes prières. Tu as l'impression que tu pries, mais ta prière ne monte pas. Pourquoi? Tu es ici, tu es sous le premier ciel qui est ouvert, mais le deuxième ciel est fermé. Il y a comme une couche des ténèbres, une couche, n'est-ce pas, de force des ténèbres qui sont là, qui résistent et qui empêchent à ce que ta prière monte, que tu aies l'exaucement et que tu connaisses une véritable percée. Dans cette année ou dans cette saison où Dieu veut accélérer le processus de son œuvre, il faut que l'Église, il faut que le peuple comprenne qu'il est important de prier. Si tu ne pries pas, ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Tu dois te lever parce qu'il y a une véritable guerre, il y a une véritable lutte, il y a une véritable hostilité, une véritable opposition dans le deuxième ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le deuxième ciel peut être fermé pour tous ceux qui n'ont pas Jésus, tous ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Mais les enfants de Dieu, ceux qui sont en alliance avec Dieu, tu as la possibilité de percer le deuxième ciel. Amen. Et je te dis, nous allons le percer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a déjà commencé à le percer. Yes. Et j'annonce aujourd'hui que ça va encore être percé à nouveau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le troisième ciel. Prenons 2 Corinthiens au chapitre 12. Vous savez, il y a des personnes qui disent qu'il existe 12 cieux. Mais ça n'a aucun fondement biblique. Si on reste dans la parole, la Bible nous parle de ces trois cieux. Prenons-le à partir du premier verset, 2 Corinthiens, chapitre 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Et j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. N'est-ce pas? Et il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voyez, le troisième ciel, c'est le paradis. Le troisième ciel, c'est là où Dieu a établi son trône. C'est là où il y a la gloire de Dieu de manière visible, palpable, manifeste. C'est là où Dieu règne. Amen. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. C'est ça le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est là où nous recevons les dons parfaits, les grâces excellentes. Le troisième ciel, c'est là où il y a la faveur. Ce dont tu as besoin pour ta vie, pour ta destinée, c'est dans le troisième ciel. Et je bénis le Seigneur parce que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit qu'il y a eu un transfert, il y a eu un transport. Selon la Bible, il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Yes. Y a-t-il des chrétiens ici? Yes. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, tu marches sur terre mais tu es assis au ciel. Mmh. Oh non, tu n'as pas bien compris. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as Jésus-Christ en ton cœur comme Sauveur et Seigneur, tu marches sur la terre, mais tu es assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des dignités, au-dessus de toute
adversité de venant de la part du diable, tu es assis avec lui. Come on. Et ce ciel qui était fermé pendant longtemps, Israël est resté longtemps dans le péché. Entre Malachie et la venue de Jésus, il n'y a pas eu de message venant de la part de Dieu pour interpeller le peuple, ramener le peuple, n'est-ce pas, à la crainte de Dieu, à la connaissance de Dieu. Et le péché a augmenté et la conséquence du ciel s'est fermée. Mais gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Oh, quand Jésus est venu, il dit, je viens en faire entrer l'humanité dans une nouvelle saison. Je viens faire entrer le monde dans une nouvelle saison. Et ça devait commencer par lui. Voilà pourquoi en tant que fils de Dieu, venu du ciel, le pain venant du ciel, la manne cachée, il a commencé à prier. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, il y a eu une action, il y a eu une activité. Le ciel a commencé à s'ouvrir. Dieu a déchiré le ciel et l'esprit est descendu. Oh, j'en parlerai certainement prochainement. Quand le ciel s'ouvre, ce qui se passe, c'est l'esprit qui descend. Et l'esprit est le meilleur cadeau de Dieu pour l'humanité. Oh, tu n'as pas bien compris. Le meilleur cadeau de Dieu pour toi, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas les biens de ce monde. C'est bien avoir ces choses. Mais le meilleur cadeau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père vous donnera le Saint-Esprit. Oh Seigneur, donne-nous l'Esprit. Quand l'Esprit arrive, quand l'Esprit est donné, les choses entrent dans une nouvelle vitesse. Quand l'Esprit est donné, il y a une accélération divine. Quand l'Esprit est donné, il y a la mission qui s'accélère. Il y a les âmes qui sont gagnées. Quand l'Esprit est envoyé, tu commences à rentrer dans ton appel. Tu commences à servir Dieu dans la dimension que tu n'as jamais connue, expérimentée. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur mon ministère. Que le ciel s'ouvre sur mes entreprises. Que le ciel s'ouvre sur ma famille. Que le ciel s'ouvre sur mon église. Oh, c'est une prière et en même temps c'est une déclaration. Je ne veux pas marcher, je ne veux pas travailler sous un ciel fermé. Dieu a promis aux enfants d'Israël, il a dit, je vous bénirai. Et dans la bénédiction dans Matthieu, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, il dit, Dieu ouvrira son bon trésor pour vous, le ciel. Oh, j'ai compris que le bon trésor, c'est le ciel. Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton cœur? Si Jésus est mon trésor, ça veut dire que je marche sous un ciel ouvert. Bien-aimé, je vous donnerai certains témoignages. Et vous allez comprendre que marcher sous un ciel ouvert, il n'y aura rien qui ne sera impossible pour vous. Oh oui, quand les hommes diront impossible, Dieu dira non, non, non. Justement, je dis que c'est possible. Alléluia. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. On dit que tu vas mourir parce que tu as un cancer. Non, Dieu dit non. Non, 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 le ciel est ouvert. Cancer, tu vas disparaître. Du jamais vu sera vu. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Donne-moi un son string. Je dis du jamais vu sera vu. Lorsque ton ciel est ouvert, on dit que c'est impossible. Mais je te dis, nous prions le Dieu de toute impossibilité. Le Dieu aux possibilités illimitées. Oh, quand on dit que tu n'y arriveras jamais, je t'annonce de la part de Dieu, tu y arriveras. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli. Parce que Jésus a prié et le ciel s'est ouvert. Oh my God. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si hier tu étais dans le péché, même si tu vivais dans la désobéissance, aujourd'hui tu peux connaître un nouveau départ. J'ai dit aujourd'hui, Dieu peut commencer à ouvrir ton ciel. Amen. Je m'en moque de ce qui a été ta vie hier. Amen. Le Dieu de la Bible est un Dieu de nouveau départ. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand je fermerai le ciel. Donc il y a des moments où le ciel peut être fermé. Pourquoi? Quand tu pêches, le ciel se ferme. Mais Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Quand le ciel s'ouvre, trois choses arrivent. Dieu exauce, Dieu pardonne et Dieu guérit. Je suis venu t'annoncer l'exaucement. Je suis venu t'annoncer le pardon de tes péchés. Je suis venu t'annoncer de la part de Dieu la guérison et la restauration. Tout
tout ce qui était mort en toi ressuscite aujourd'hui. Amen. Je te le déclare au nom de Jésus. Au nom si de tu Jésus. Le crois, dis amen. Amen. La Bible dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. La parole a la capacité de donner la vie aux ossements desséchés. Si tu crois à cette parole, dis amen. Amen. Je déclare que tout ce qui était cassé reprend vie. Tout ce qui était mort ressuscite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a résurrection de tes rêves. Il y a résurrection de tes projets. Il y a résurrection de ton mariage. Ton mariage qui a été enterré. Je te dis, il va connaître une résurrection. 16 ans de ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Lève tes mains comme ça. Légèrement dit, 16 ans de ciel ouvert. 16 ans de ciel ouvert. Tu peux encore le déclarer, 16 ans de ciel ouvert. 16 ans de ciel ouvert. Que faire pour que sens pour vivre sous un ciel ouvert? 4 choses. 4 secrets pour vivre sous un ciel ouvert. Première chose, tu dois marcher dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regardez, avant que le ciel de Jésus ne s'ouvre, regardez, j'aime ce qui s'est passé. Dieu envoie Jésus, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas que Jésus puisse, ne voulait pas baptiser Jésus. Parce qu'il avait dit lui-même, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il arrive quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a annoncé cela. Et qui vient? C'est Jésus qui vient. Et Jésus vient pourquoi? Jésus ne vient pas pour dire, Jean, je te baptise. Jésus vient pour être baptisé. Jean dit, non, 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 non. Il dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Bien-aimé, tu dois savoir premièrement que tu as besoin de Jésus. Ça, c'est la première des choses. Mais la grande leçon que nous tirons ici, c'est que Jésus nous montre que même si il est celui par qui le ciel s'ouvre, mais son ciel ne peut pas s'ouvrir tant que lui-même ne s'est pas humilié. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne jamais avec des électrons libres, des gens qui se suffisent à eux-mêmes. Dieu te placera toujours sous une autorité afin que tu te soumettes, afin que tu te plies. Bien-aimé, je bénis Dieu pour mes pères, je bénis Dieu pour mes mentors, je bénis Dieu pour mes aînés, devant qui je m'humilie, devant qui je me soumets. Parce que le secret en réalité, ce n'est pas d'abord la prière. Jésus n'a pas d'abord prié, mais Jésus s'est d'abord humilié. Non, 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 tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La plupart d'entre nous, nous limitons tout à la prière. Oui, la prière aura sa place. Mais avant la prière, tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. On n'a pas dit prie d'abord. Avant de prier, humilie-toi. Tape la main de ton voisin. Dis humilie-toi avant de prier. Humilie-toi avant de prier. Ah non, 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 je pense qu'il te boude un peu. Regarde l'autre voisin. Dis-lui humilie-toi avant de prier. Humilie-toi avant de prier. Mon peuple doit d'abord s'humilier. Bien-aimé, l'humilité, c'est la clé de la gloire. L'humilité, c'est la clé du succès. L'humilité, c'est la clé de la percée. L'humilité, c'est la clé pour les grandes choses de manière durable. Je ne veux pas une élévation saisonnière. Je ne veux pas une bénédiction momentanée. Je ne veux pas quelque chose de temporel. Je veux une bénédiction éternelle. Je veux une grâce qui dure dans le temps. Je veux une approbation divine dans le temps. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Sois humble. Demande à Dieu la grâce de l'humilité. Il y a en chacun de nous une dose d'orgueil. Et tu dois demander à Dieu, aide-moi à briser cela. Et pour briser cela, Dieu va te mettre en face des personnes des fois très dures que toi pour que tu te plies. Faites la différence entre l'humilité et l'humiliation. Pour ceux qui refusent de s'humilier, Dieu les humilie. Mais accepte de t'humilier. Deux hommes sont partis prier un jour. Ils ont levé les mains. L'un dit, Seigneur, moi je donne ma dîme. Je prie, je jeûne. Il s'est tellement frappé la poitrine.
La Bible dit Dieu ne l'a pas exaucé. Pourquoi? Quiconque s'élèvera, Dieu l'abaissera. Mais quiconque s'abaissera, Dieu l'élèvera. C'est pour ça la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Oh, comment j'aime. Et la Bible dit, c'est pour cela aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dis à Dieu, donne-moi la grâce de l'humilité. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Donne-moi la grâce de l'humilité. Donne-moi la grâce de l'humilité. Deuxième clé pour vivre le ciel ouvert. En fait, les trois autres clés, je le tire du texte de Actes chapitre 10. Prenons rapidement la régie, j'ai oublié de vous donner ce texte. Actes chapitre 10, le verset 1er au verset 4. Regardez rapidement, parce que là on va tirer les trois autres clés. Il y en a quatre. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Et cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa famille et faisait beaucoup d'aumônes pour le peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, saisi de foi et répondit, qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Alléluia. Deuxième chose qui permet de marcher, de vivre sous un ciel ouvert, c'est la crainte de Dieu. On nous parle d'un homme ici. Il n'était pas en alliance avec Israël, mais il avait la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu qui est la haine du mal, le fait de fuir le péché. La crainte de Dieu est une grande clé qui ouvre le ciel. Tu dois fuir le péché dans tous les sens, dans toutes ses formes. Tu dois fuir, abstenez-vous de toute espèce de mal. Tu dois rechercher à avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il est possible de prier avec un cœur chargé. Ton ciel risque d'être fermé. Toi et ta femme, vous entendez pas, vous vous disputez. Et tu te mets à prier. Oh Seigneur, entends ma prière. Dieu dit, comédien. Et là, j'aimerais aider les couples. Vous voulez que votre ciel soit ouvert? Faites tout. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité, parce que des fois, il t'énerve. Des fois, elle t'énerve. Mais tu dois supporter, tu dois t'humilier. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit que si tu as des problèmes avec ta femme, pendant que tu pries, ton ciel est fermé. Crains Dieu. La crainte de Dieu, ce que Dieu nous demande. Un état de pureté de cœur, de sainteté, de sanctification. La sainteté. Quand on vient dans sa maison. Amen. Sois ferme dans ta sainteté. Ne laisse pas quelqu'un te sortir de la crainte de Dieu. Ne laisse personne te sortir de ta vie de sanctification. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je ne crois pas à un exaucement loin de Dieu. Parce que le diable aussi donne, mais il te donne pour te détruire demain. Il n'y a que Dieu, quand il donne, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Que Dieu donne à quelqu'un, que Dieu te donne quelque chose qui ne sera jamais ravi. Et cela doit naître dans la sainteté. Tu dois être un homme, une femme qui poursuit la sainteté chaque jour. Et quand tu pèches, tu te relèves. Quand tu as mal fait, tu demandes pardon. Et Dieu aime ça. Recherche la pureté. C'est la clé. Corneille était un homme qui craignait Dieu. Joseph, parce qu'il craignait Dieu, son ciel s'est ouvert. À 17 ans, il a reçu des visions. Pendant 13 ans, entre 17 ans et 30 ans, il a connu des épreuves comme pas possible, jusqu'à être dans la prison. Mais la Bible dit,
Lorsque le temps marqué par Dieu était arrivé, son ciel s'est ouvert. Bien-aimé, en un jour, Joseph a expérimenté 13 miracles. Je dis à quelqu'un, tes 13 ans de souffrance, tu vas les rattraper en un jour. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tes 13 ans de preuves, tes 13 ans de difficultés, parce que tu as gardé la crainte de Dieu. Dieu est un meilleur payeur. Dieu est un meilleur rémunérateur. Un rémunérateur comme Dieu, je n'en connais pas. Je te dis, si tu as gardé la crainte de Dieu, il est dit ceci dans Malachie, ceux qui craignèrent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. À quoi bon avoir gardé notre âme dans la pureté? Les méchants prospèrent. Tu as l'impression que tu as donné ta vie, tu as sacrifié ta jeunesse et que tu n'as rien reçu. Bien aimé, ce n'est qu'une impression. Et là, le diable vient, il te pollue avec tes pensées. Il te dit, voici, tu peux faire comme les autres. Refuse, parce que Dieu est capable de te payer en un jour. Ah, tu n'as pas compris. Je te dis, Dieu, tous les temps passés en le servant, c'est comptabilisé. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, 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 je n'ai pas l'impression. Est-ce que je parle à l'église Sénat? Continue à servir Dieu. Dieu te le payera. Regarde-moi ton voisin, dit Dieu va te payer un jour. Dieu va te payer un jour. Joseph a été payé. 13 ans de souffrance en un jour. Il est passé de la prison à la primature. Oh, je prie que Dieu sorte quelqu'un de la bergerie à la royauté. Que Dieu sorte quelqu'un du néant en faisant de lui un géant. Que Dieu te sorte de l'anonymat. Amen. Qui fait de toi quelqu'un qui va briller comme une étoile dans cette génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième clé. La Bible dit, en parlant toujours de Corneille, il priait Dieu continuellement. Voici la troisième clé pour que le ciel s'ouvre, la prière. Mais attention, ce n'est pas de temps en temps. Tu m'entends? Un dimanche sur quatre. Un mercredi sur six. Dis avec moi, constance. Constance. Non, fais comme ça, constance. Constance. Mais pourquoi tu ne fais pas, mon frère? Pourquoi tu boudes? Fais comme ça, constance. Fais comme ça, constance. Constance. J'insiste encore. Maman a dit d'insister. Fais comme ça, constance. Constance. Continuellement. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la joie comme dans les larmes. Ah oui. Pourquoi Jésus a dit, il a donné une parabole. Il dit, il leur donnait une parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Parce que le monde va te pousser à te relâcher. Les hommes méchants autour de toi. Vous savez qu'il y a des gens méchants? Des gens qui parlent mal, qui critiquent, qui font tout et n'importe quoi. Tout ça, c'est pour que tu lâches. N'abandonne pas, ne lâche pas. Oh, je suis venu te dire, ne sois pas quelqu'un qui abandonne facilement, qui se retire facilement. Sois quelqu'un qui prie continuellement. La prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. Oh! Ok, je le répète, je le répète, je le répète. La prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. Pendant que tu es en train de prier, something is moving. Something is moving. Quelque chose est en train d'arriver, de se préparer. Dieu est en train de te préparer le meilleur cadeau. Yes. Dieu est en train de te préparer la belle femme que tu attends, qui va combler ton cœur. Dieu est en train de te préparer. Bien-aimé, si je savais que ces choses étaient vraies, j'allais encore prier beaucoup avant. J'ai vu des miracles extraordinaires. Croyez-moi. Et aujourd'hui, vous savez, non. La dernière fois quand je suis venu, je crois que c'était en novembre, hein? Mamie, c'est ça, novembre, pendant le temps de prière, je nous ai parlé sur l'onction, vous vous rappelez? L'onction. Voyez, marcher sur les traces de Jésus, tu dis une chose aujourd'hui, quelques temps après ça s'accomplit. Tu pries pour quelqu'un à distance, pasteur, maladie disparue, cancer, problème ou les médecins, mais non, come on. Tu parles à l'argent pour le projet, l'argent vient. Non, 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 tu vois, tu ne dis pas amen. Tu n'as pas bien compris. J'ai compris que tout a des oreilles. J'ai demandé, j'ai dit ça, je veux ça, 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 ça. C'est venu. Quelqu'un qui m'a donné l'argent, la valeur d'une maison, plus que la valeur de ma maison. Mais j'ai tout donné à Dieu. Moi-même, j'ai vendu ma maison. J'ai tout donné à Dieu. Bien-aimé, Dieu est réel. Vous savez pourquoi je l'ai fait?
Et tu comprendras ça dans le quatrième point. Pour que ton ciel soit ouvert, il y a des actions que tu dois poser aujourd'hui qui te précèdent dans ton futur. Come on. Ok, come ok. Non, you look shy. You look shy this morning. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Yes. Je te dis, tu dois poser des actes. C'est pour cela que je vais d'abord t'interpeller. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Check la personne qui est à côté. Dis, réveille-toi. Brille. La prière bouge les choses. La prière change les choses. Amen. Dieu s'est souvenu des prières de Corneille. Dieu s'est souvenu de la prière de Anne. Dieu se souviendra de ta prière. Amen. Il ne fait pas d'acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il se souviendra de toi. Que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. Amen. Quatrième chose et je finis. Quatrième clé pour ouvrir le ciel. La Bible dit, en parlant de Corneille, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'est-à-dire, il donnait beaucoup. La générosité, la libéralité. Oh, je vous assure. Non, God is very good. Oh, you can trust me. En moins de 2 ans, ce que je vis, de toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais vécu ça. Non. Pourquoi? J'ai appris à donner. Tel qui donne libéralement devient plus riche, n'est-ce pas? Quel lien entre le ciel ouvert et le donner? Si tu veux comprendre cela, regarde Jésus. Jésus est le don de Dieu. Dieu le Père a donné son Fils unique. Et quand il est venu comme don, ce don a ouvert le ciel. Tu n'as pas bien saisi. Chaque don que tu donnes, ce que tu donnes à Dieu, en réalité, tu es en train d'ouvrir des parcelles du ciel en ta faveur. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu va combler ta vie. Alors apprends déjà pour demain. Bien-aimé, j'ai des grands rêves pour demain. Si je te le dis, tu vas dire, c'est un malade. Les rêves qui s'accomplissent aujourd'hui, il y a quelques années quand je l'ai dit, on m'a traité de fou. Mais aujourd'hui, c'est accompli. Voyez, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous demandez, vous pensez. Bien-aimé, quand tu donnes, tu te saignes. Quand tu donnes, tu te sacrifies. Quand tu donnes, tu te dépouilles. Le dépouillement d'aujourd'hui, Dieu est fidèle. Il sait comment vous le rendre demain. Celui qui semera peu, moissonnera peu. Celui qui semera abondamment, moissonnera abondamment. La qualité de ta moisson est déterminée par la qualité de ta semence. You get it? Ciel ouvert. Voilà pourquoi personne n'a donné comme Jésus. Jésus s'est donné lui-même. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est souverainement. Au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre nom. Mais j'aimerais te dire, parce que tu donnes, toi aussi Dieu va t'élever. Ah non, tu n'as pas compris. Dieu dit, voici mon serviteur prospérera. Yes. Voici mon serviteur montera. Quand tu montes, c'est que le ciel est ouvert. Ah, Sénat est en train de monter. Le temps et la saison pour que Dieu puisse visiter Sénat est arrivé. Je ne le dis pas parce que Docteur Michel est mon ami. Non, je le dis parce que Dieu me l'a dit pendant que j'étais en train de prier. Il m'a dit à mon peuple, la saison de l'exaucement des prières est arrivé. Come on with me. Amen. Est-ce que le batteur peut venir avec moi? La saison de grâce divine est arrivée. Amen. La saison des dons parfaits est arrivée. Amen. La saison des faveurs d'en haut. Que la faveur te localise. Amen. Oh, je dis que la faveur te localise. Amen. La saison de l'accélération divine. L'accélération dans l'accroissement de l'église. L'accélération dans l'expansion du ministère. Amen. L'accélération dans l'accroissement du nombre de disciples. Alléluia, oh, amen. L'accélération, la saison de possession, où tu vas posséder. Il dit, tes descendants posséderont les portes de ses ennemis. Oh, j'aimerais te dire, tu as reçu de Dieu une grâce. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un est assis à la porte de la maison qui t'appartient. Mais Dieu te dit, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Oh, quand je lis ma Bible, Canaan n'appartenait pas aux enfants d'Israël. Dieu a donné Canaan. Il a ravi ça de la main de méchants. Il a donné entre les mains de justes.
Je prie que Dieu ravisse de la main des méchants et qu'il te comble. Que Dieu ravisse de la main des méchants et qu'il te comble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La saison des ouvertures surnaturelles. La saison d'abondance. La saison de facilité. La saison de réalisation des rêves et des projets. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la saison où tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Tu n'es pas envoyé sur terre pour accompagner les autres. Tu as une mission, tu as une destinée. Oh, je prie que le ciel s'ouvre et que tu comprennes et que tu retrouves ta destinée. Ne sois pas à côté. Si tu t'étais éloigné, aujourd'hui retourne. Reviens sur la voie. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu penses. Il a dit à Moïse, à Abraham, lève tes yeux, regarde. Lève tes yeux, les yeux spirituels, et regarde au-delà. Dieu veut donner au-delà. Dieu veut donner au-delà. Et il m'a dit, c'est la saison. Une saison d'augmentation. Amen. Une saison de multiplication. Amen. Une saison de faveur. Amen. Une saison de bénédiction. Yes. Une saison de grâce. Oh. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Et lève ta main et commence à prier. Et j'aimerais que tu dises à Dieu, je veux vivre, marcher sous le ciel ouvert. Est-ce que tu peux lever ta voix? Oh, moi je viens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux marcher dans cette saison. Cette saison de ciel ouvert. Cette saison de ciel ouvert. Que ma famille marche dans cette saison. Cette saison de ciel ouvert. Que mon foyer marche dans cette saison. Cette saison de ciel ouvert. Que mon travail puisse être dans cette saison. Cette saison de ciel ouvert. Que tout ce que je touche, que tout ce que j'entreprends puisse être dans cette saison. Cette saison de ciel ouvert. Oh Seigneur, fais-le. Fais-le aujourd'hui. Fais-le pour nous. Fais-le Seigneur. Alléluia. Fais-le Seigneur. Alors, je voulais juste que nous prions dans les quatre directions. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de l'humilité. Tu vas demander à Dieu, oui, plus de la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu vas demander à Dieu de faire de toi un homme, une femme de prière, quelqu'un qui prie sans relâche. Et dire à Dieu également, je veux être quelqu'un qui ait la générosité, qui donne pour tes intérêts, pour ton royaume. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains avec moi? Alléluia. Est-ce que tu peux prier en joignant tes deux mains? Ensemble, prions. Prie ensemble. S'il vous plaît, prie ensemble. Est-ce que tu peux battre tes mains? Battre tes mains ensemble. Prions. Je veux marcher selon toi. Seigneur, apprends-moi à te craindre davantage. Apprends-moi à marcher selon ta volonté. Apprends-moi, Seigneur, à faire, Seigneur, ta volonté. Je veux, Seigneur, être un homme qui donne, Seigneur, avec tout mon cœur. Je veux être, Seigneur, celui qui plaît à tes yeux. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Que je puisse marcher devant toi. Que je puisse marcher devant toi. En faisant ta volonté. En craignant ta parole. En craignant, Seigneur, du ciel. Seigneur, je veux marcher avec toi. Aide-moi ce matin. Je veux plus de toi. 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 Plus de toi aujourd'hui. Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que la grâce de ta parole augmente encore en moi. Que la grâce de ta parole augmente encore en nous. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Celle qui se rêve et prie pour la famille. L'église est en train de prier. Mais comment dois-tu prier ce matin? Mais comment dois-tu prier ce matin? Comment dois-tu prier ce matin? Seigneur, fais de moi celui qui donne. Seigneur, que je ne donne pas. Seigneur, que je ne pense, mais que je donne. Selon ce que tu as placé dans mon cœur. Seigneur, ce matin, je prie. Je prie. Implorer encore ta faveur. Seigneur, aide-nous à marcher, Seigneur. En priant ta parole. Aide-moi à marcher devant toi, Seigneur. En faisant ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur. Pourquoi tu ne parles pas? Cherchons, Seigneur, toujours. L'église est en train de prier. Seigneur, à ton cœur. L'église est en train de prier. Aide-nous encore, Seigneur. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons saisir ces pieds afin de marcher avec pour vivre les cieux. Les cieux ouverts à la famille.
les ciels ouverts dans les études. Les ciels ouverts. Ah, quelqu'un d'autre va nous prier cet après-midi. Ah, quelqu'un d'autre va nous prier cet après-midi. Ah, vas-y, avance encore. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Oui, je le désire. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Dans nos foyers, plus de toi, Seigneur. Dans nos familles, plus de toi, Seigneur. Ouvre le ciel ce matin. Plus de quelqu'un toi. Peut acclamer le Seigneur ce matin. Merci. Alors je disais, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Merci, Dieu Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Alléluia. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer pour Alléluia. Dieu. Je parlais de Dieu. Est-ce que quelqu'un Alléluia. Peut acclamer celui qui ouvre les cieux. Alléluia. Notre Dieu. Alléluia. Merci beaucoup apôtre Douglas pour la parole. Nous allons reprendre place rapidement. Nous allons passer aux offrandes. Si nous avons besoin de l'enveloppe, juste balancer la main, l'équipe des protocoles sera en train de circuler dans la salle pour nous servir. Si nous avons besoin d'utiliser la machine Interact, maman Anne est juste à côté. Ou soit nous avons besoin des informations bancaires pour faire les virements Interact, les informations sont sur l'écran et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui donne la semence au semeur. Nous ne pouvons s'aimer si toi tu nous donnes. Et ce matin, tu as permis à moi et mon frère, ma sœur, de pouvoir apporter dans la maison du trésor ce que tu as placé entre nos mains. Il est écrit, honorer l'Éternel avec tout ce que nous avons comme revenu. Et c'est d'après-midi, nous t'apportons, Seigneur, ces offrandes, ces dîmes, ainsi que ces actions de grâce. Notre prière, que tu puisses bénir nos greniers. Nous prions aussi que tu donnes à ceux qui sont dans le manque. Nous prions, Seigneur, que tout ce que nous t'avons apporté soit agréé devant de toi comme un parfum de bon odeur qui s'est sert pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous pouvons remettre les offrandes dans les paniers. L'équipe est là pour nous aider. Donc, sentons-nous à l'aise de le faire. Alors que nous serons en train de remettre nos offrandes, j'aimerais rapidement nous donner quelques annonces des jours qui viennent. C'est pour le département des femmes, les sénatrices. Il a demandé à toutes les sénatrices des prières de noter cet événement qui vient, c'est-à-dire le vendredi 2 septembre. Le vendredi 2 septembre, après l'étude biblique, les sénatrices auront prière ici à l'église, une nuit de prière. Ça va commencer à partir de 23h. Donc le vendredi 2 septembre, les sénatrices, c'est-à-dire filles, jeunes filles, maman âgée de 18 ans et plus, vous êtes invité à prendre part à cette nuit de prière. C'est la première de l'année depuis la pandémie. Alors voilà, l'occasion, l'opportunité vous est donnée pour participer à cette nuit de prière. Alors c'est le vendredi 2 septembre à partir de 23h ici à l'église. C'est pour toutes les sénatrices. Alors le département de musique annonce à toute l'église qu'il organise une journée d'audition générale. Cet événement n'arrive qu'une fois l'année. Alors pour cette année, cet événement aura lieu le dimanche 28 à 14h. Donc le dimanche 28 à 14h, le département de musique organise une audition pour recruter le chanteur, le musicien, pour faire part de la chorale. Si vous jouez un instrument, vous pouvez contacter la sœur divine Kapongo ou le frère Eddie Mwenge pour vous enregistrer afin de passer votre audition. Donc ça va être ici au sanctuaire à 14h. Seront admis seulement les personnes qui vont s'enregistrer. Donc je reprends, c'est pour l'audition pour toute personne qui aimerait faire partie de la chorale, qui aimerait jouer un instrument, chanter. Il faudra contacter la sœur divine Kapongo ou le frère Eddie pour se faire enregistrer et faire part de cette journée et de se faire recruter. Et pour nos activités hebdomadaires, le mardi, nous avons prière au téléphone pour tous les départements, les hommes, la jeunesse, le 12-17, GPS encore, GPS, les sénatrices également. Et aussi, le mercredi, nous nous retrouvons ici, c'est notre journée de prière. Et c'est mercredi, Dieu nous fait grâce, nous allons être encore avec l'apôtre Douglas. Alors nous allons être ici à partir des 18h30. Donc comme vous savez, la journée de mercredi est associée au jeûne de prière. Comme l'apôtre a dit, une des clés de vivre les ciels ouverts, c'est de persévérer dans la prière. Alors les mercredis, nous allons être ici à partir des 18h30 pour la prière.
prière et nous serons avec l'apôtre Douglas. Et le vendredi, nous revenons pour notre étude biblique en français. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la prière. Donc c'est vendredi que nous allons continuer encore avec le docteur Michaud à partir de 18h30 pour notre étude biblique. Alors ne venez pas seul, venez avec le jeune, venez en famille et avec toutes les questions que nous avons. Dieu va certainement nous aider selon sa parole. Amen. Alors les dimanches, nous allons nous retrouver pour nos deux services à 9h pour les anglophones et à 11h pour le francophone. Alors je tenais aussi à rappeler pour l'évangélisation, tel qu'annoncé, l'équipe d'évangélisation est en train de préparer une sortie générale qui aura lieu le 8 octobre prochain. Alors l'équipe d'évangélisation a mis à notre disponibilité, à notre disposition, allais-je dire, des paniers où est-ce que nous pouvons donner le vêtement, les denrées non périssables. Et aussi, si nous voulons donner quelque chose en liquide, en espèces, nous pouvons contacter Papa Boni Prince pour avoir plus ample information, ou la sœur Audrey Massois. C'est pour l'évangélisation et toute l'église est invitée à soutenir notre sortie qui aura lieu le 8 octobre prochain. Que Dieu nous bénisse et merci pour votre attention. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Par Jésus, nous pouvons vraiment bien acclamer, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Dieu est fidèle. Alors, je remercie encore l'apôtre Douglas. Apôtre, vous avez oublié de dire à l'Église comment est-ce que, pendant ce temps de COVID, l'Église a été bénie avec un nouveau bâtiment d'à peu près 2 millions d'euros. C'est ça? 2 millions d'euros. Je ne parle pas de dollars canadiens ni américains, mais je parle de 2 millions d'euros. Donc, vraiment, Dieu s'est glorifié et nous bénissons le Seigneur. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau bâtiment, en tout cas. La prochaine fois qu'on est invité là-bas, je ne reste pas. Je viens avec mon mari. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout parce que nous allons présenter une princesse à l'Éternel? Avant toute chose, j'aimerais d'abord dire un petit mot. Si nous voyons toute la famille qui est là, ce n'est pas pour rien. Nous connaissons la sœur Angelina et notre frère Jérémy Angani, que nous avons béni ici. Ils ont été mariés ici. Et après leur mariage, ils ont expérimenté quelques problèmes. Je n'aime pas trop parler de stérilité parce que je crois que ça n'existe pas. Mais ils ont expérimenté un petit challenge au niveau de la conception. Et c'était vraiment difficile. Je me rappelle Angelina dans mon bureau en train de pleurer et de poser des questions à Dieu, de me poser des questions, de tout ce que les médecins disaient. Et je lui ai dit, tu auras des enfants. Amen. Alléluia. Je lui ai dit, tu auras des enfants. Parce que c'est Dieu-là est fidèle. Amen. Alors peut-être que tu es là aussi, tu expérimentes un challenge à ce niveau-là. J'aimerais te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Et si tu veux contacter la sœur Betty, parce que nous avons mis en place un groupe qu'on appelle les Moms to Be. C'est pour toutes les femmes qui expérimentent le challenge au niveau de la maternité. Tu peux commencer à te connecter avec nous pour prier. Et nous avons beaucoup de témoignages par rapport à ce groupe-là. Donc, Dieu s'est glorifié dans la vie d'Angelina et de Jérémy. Ils ont déménagé, ils sont à Edmonton. Mais puisque Dieu a donné, ils se sont dit, nous voulons retourner à la maison pour présenter le bébé. Et ce matin, nous allons bénir Blessing Gisèle Odia Angani. Et je pense que maman Gisèle est la plus heureuse parce que, en fait, c'est elle l'homonyme. Donc, Gisèle Odia, c'est elle. Et on a nommé le bébé après elle, après son nom. Donc, nous allons vraiment bénir le Seigneur. Je veux voir Angelina et Jérémy ici. Alors, chers parents et l'Église, comme je l'ai dit souvent, c'est un moment solennel que nous voulons vivre pendant ce culte. À l'instar de Marie, la mère de Jésus, qui a emmené Christ au temple pour être présenté, et à l'instar aussi de Anne, la mère de Samuel, qui a emmené son fils dans le temple, nous ne baptisons pas les bébés. Donc, ce n'est pas un baptême, c'est une présentation au temple,
comme l'ont fait Marie et Anne. Et nous voulons présenter cet enfant à Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 19, le verset 14, et Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et c'est ce que Angelina et Jérémy font ce matin. Proverbe 22, le verset 6, la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. La Bible nous dit encore dans Deutéronome 6, le verset 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Angelina et Jérémy, Dieu est en train de vous parler pour vous dire que oui, vous devrez éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. Que ce soit à la maison, en dehors de la maison, en tout temps, en tout moment. Le grand frère est là, très beau, Gabriel. Nous bénissons le Seigneur pour ses beaux enfants. Alors c'est la Bible qui le dit, d'instruire les enfants selon la loi qu'ils doivent suivre pour que quand ils seront vieux, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. Amen. Alors étant donné que les enfants sont petits, les parents vont prendre l'engagement pour leur enfant, car je ne peux pas lui poser la question. Angelina et Jérémy, aux yeux de Dieu et devant l'Église, assumez-vous la responsabilité solennelle d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur, en lui inculquant les enseignements de Jésus-Christ. Oui, par la grâce de Dieu. N'a pas entendu. Oui, par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Aux yeux de Dieu, Angelina, Jérémy, et devant l'Église, promettez-vous avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ de lui offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la parole de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Oui. Acclamons pour le Seigneur. Alors, maman Gisèle, tu vas approcher avec Blessing et je vais prier pour elle. Alléluia. Amen. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons des actions des grâces parce que tu es Dieu. Éternel, la Bible dit, quand tu ouvres le sein maternel, tu n'empêcheras pas la naissance. Et nous te disons merci parce que, Seigneur, c'est toi qui as donné Blessing. Je me rappelle encore, Seigneur Yahweh, ce jour-là, comme je le dis, alors que nous étions avec Angelina au bureau, je savais, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, et que rien ne peut s'opposer à toi, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, que les enfants sont une bénédiction, comme des flèches, Yahweh, dans les carquois, Seigneur, d'un guerrier, ainsi sont les fils et les filles de ta jeunesse. C'est eux qui vont parler devant la porte quand l'ennemi va se présenter. Je te dis merci parce que Blessing est une bénédiction. Et la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare, Seigneur, en ce jour, que Blessing est une bénédiction, Seigneur. Je déclare que sa vie ne sera jamais une occasion de chagrin pour sa famille au nom puissant de Jésus. Éternel, je déclare, Seigneur Yahweh, avant même qu'elle ne soit conçue dans le sein de sa mère, tu la connaissais déjà. Éternel, tu l'avais déjà établie. Et ce qu'elle est aujourd'hui, Seigneur Yahweh, cela vient de toi. Je prie, Seigneur, que tous les jours de sa vie, que Blessing soit réellement cette bénédiction, Seigneur, pour ce monde, Seigneur, pour sa famille. Je déclare qu'elle est la solution, Seigneur, à un problème, Seigneur Yahweh, Papa, éternel Yahweh de ce monde. Dans cette petite fille se cache, Seigneur Yahweh, une grande servante de Dieu. Dans cette petite fille se cache, Seigneur Yahweh, une servante de l'Éternel, Seigneur. Dans cette petite fille, Seigneur Yahweh, se cache cette femme, Seigneur, qui va se lever un
un jour, Seigneur, pour donner une solution, Seigneur Yahweh, dans ce monde. Je prie, Seigneur, qu'elle est dotée de l'intelligence, Seigneur, d'une sagesse, Seigneur Yahweh, Papa. Éternel, je prie, Seigneur, que parmi ceux de sa génération, Blessing se lèvera, Seigneur, comme une femme, Seigneur, de foi. Je déclare, Seigneur, très jeune, ô Dieu, cet enfant sera doté de l'intelligence et d'une sagesse qui va dépasser, Yahweh, ceux de sa génération. Je déclare, quiconque regardera cette fille posera la question: à qui appartient cet enfant? Parce que, Seigneur, elle est à toi, Seigneur. Éternel, tu l'as créée, tu l'as tissée dans le secret, Seigneur, et tu as fait d'elle, Seigneur, cet enfant qui viendra, Seigneur Yahweh, Papa, et qui va changer ce monde. Je prie, Seigneur, que sa vie est cachée en toi, comme la vie de Christ est cachée dans le Père. Quiconque, Yahweh, voudra voir, toucher cet enfant, te verra toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu en qui elle se cache, Seigneur. Je prie, ô Dieu, pour que cette fille, Seigneur, n'échoue jamais dans sa vie. Éternel Yahweh, je déclare, Seigneur, que cet enfant, Seigneur Yahweh, ne sera jamais une occasion, Seigneur, de honte pour ses parents. Je prie, Seigneur, que cet enfant, Seigneur Yahweh, Papa, Éternel, va marcher dans la sagesse, dans l'intelligence, Seigneur, Éternel, parce que tu es son Dieu, tu es son Créateur, Seigneur. Je déclare, Seigneur, aucune maladie, aucune infirmité ne fera partie de sa vie, Seigneur. Éternel, je prie, ô Dieu, que tu la bénisses, Seigneur. Je prie que ton sang la couvre de la pointe de ses cheveux à la plante de ses pieds. Ô Dieu, je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de sa vie afin de lui arracher, Seigneur Yahweh, de tout danger. Bénis-la, Seigneur, que la présence de cet enfant soit une bénédiction pour ses parents. Ouvre les portes qui étaient fermées, Seigneur, et emmène ta bénédiction en abondance dans la vie de ses parents. Bénis cet enfant, bénis la famille Ngani, Seigneur. Yahweh, fais-leur du bien, parce que tu es le Dieu tout-puissant. À toi soit l'honneur et la gloire. Seigneur, nous te présentons Blessing et nous déclarons qu'elle t'appartient, Seigneur. Fais-lui du bien tous les jours de sa vie. En ton nom, nous avons prié et nous déclarons, Seigneur Yahweh, que cet enfant, Seigneur, ne connaîtra jamais, Yahweh, les combats de sa mère, Seigneur. Elle ne connaîtra jamais le combat de la famille de son père, parce qu'elle est unique, elle est mise à part, Seigneur. Ce qui a combattu ses parents ne la combattra pas, parce qu'elle est une fille, Yahweh, Papa, choisie de Dieu. Bénis-la, Seigneur, fais-lui du bien. En ton nom, nous avons prié et nous disons amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. C'est son certificat. Et nous allons prendre une belle photo. Et puis, on va appeler toute la famille aussi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de qu'on clôture la prière, j'aimerais encore réitérer l'invitation à toutes les femmes. Comme vous le savez, avec le COVID, on avait perdu un peu nos habitudes éveillées chaque mois. Donc, le vendredi 2 septembre ne manque pas. Les enfants vont retourner à l'école. C'est une manière pour nous aussi de recommander nos enfants entre les mains de notre Seigneur. Nous allons être ici pour une veillée de 23h à 5h du matin. Amen. De 23h à 5h du matin. Ne viens pas seul. Invite une amie, invite une sœur, invite la famille pour que tous ensemble nous puissions prier. La Bible déclare les messagères de la bonne nouvelle sont une grande... Non, je ne vous ai pas entendu. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande
Nous allons nous lever comme une armée et nous allons prier comme des guerrières. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, pasteur Sissi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel? Alléluia. Je vous disais, quand je présentais l'apôtre Douglas, je vous dis, c'est le même Dieu, la même personne, mais jamais le même message. Jamais le même message. Apôtre, merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le mercredi, vous avez vu qu'on n'a pas eu le temps de prier, mais le mercredi, nous avons la grâce et le privilège d'avoir de nouveau l'apôtre Douglas, et il va nous conduire en prière par rapport à ces points qu'il a présentés aujourd'hui. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec sa famille. Et si Dieu nous fait grâce, le mercredi, nous verrons aussi sa tendre épouse. Elle est chantre pour de vrai. Vous avez entendu l'apôtre Douglas chanter un peu, mais elle est chantre professionnelle. Elle a quelques albums à son actif. Le mercredi, elle va être avec nous, Dieu faisant grâce. Amen. Alors, nous allons présenter quelques des bien-aimés. Hier, il y a des bien-aimés qui ont pris la plus grande décision de leur vie, qui ont accepté Jésus dans leur vie. Parce que eux aussi, ils ont décidé de forcer, ils veulent voir le ciel s'ouvrir sur eux. Et c'est ce qui a été fait. Et hier, on les a accompagnés dans les eaux de baptême. Et nous allons juste les présenter parce que Dieu les a ajoutés à la grande famille des enfants de Dieu. Et nous allons les présenter sous vos applaudissements et pour manifester vraiment que vous les accueillez dans cette grande famille. Alors nous appelons Cornélie Diasonama Lubamba. Oli Kalukuta. Leslie Roland Biabo. Voilà, nous bénissons l'Éternel pour ces bien-aimés qui se sont ajoutés, n'est-ce pas, à la grande famille de Dieu. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Si vous êtes là pour la première fois, juste levez la main. Nous aimerons vous accueillir à la manière de Sénat. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes très honorés par votre présence. Nous avons une sœur dans le fond de la salle aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un autre frère là-bas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a quelqu'un d'autre aussi à mon extrême droite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très honorés de votre visite. Il y a quelqu'un avec une pancarte. Si vous voulez nous accorder 2 minutes de votre temps, nous aimerions vous saluer de façon personnelle. Et si vous avez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. J'ai juste une dernière annonce. Juste à mettre à votre agenda. Le 5 novembre. Le 5 novembre, Sénat organise une formation. C'est une formation qui est dédiée à toute l'Assemblée. Initialement, on voulait la réserver aux ouvriers seulement. Mais on a vu, Sénat, ce n'est pas seulement les ouvriers. Sénat, c'est tout membre de Sénat. C'est comme ça que cette formation est ouverte à toute l'Assemblée. C'est une formation sur le leadership. Sur le leadership. Vous allez dire, mais moi, je ne suis pas appelé à diriger les gens. Non, le leadership, vous êtes leader d'abord de votre propre vie. Votre propre vie, c'est vous qui la guidez.
Donc, c'est important d'avoir, n'est-ce pas, ce leadership. Il y a des choses que Dieu vous a amené à accomplir, mais parfois, on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? De quelle manière je dois le faire? Parfois, on est amené ou sollicité à embrasser plusieurs choses, mais sans savoir exactement ce à quoi Dieu nous a appelés. Parce que nous avons une destinée à accomplir. Et ces cours, ce sont des cours qui sont vraiment très intéressants parce que ça nous aide à découvrir certaines capacités, certaines habiletés que nous avons. Ça nous aide à découvrir qui nous avons, n'est-ce pas, dans le plan de Dieu et nous amener à accomplir ce que Dieu nous a appelé à accomplir. Nous sommes tous des leaders. Leaders personnellement pour notre propre vie, mais on est des leaders dans nos familles. On est des leaders pour des frères, des leaders pour des petites sœurs, des petits frères. Nous sommes toujours des leaders à quelque degré que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est important, n'est-ce pas, d'avoir une telle formation. Le ciel ouvert, parce qu'il y a des choses que Dieu va déverser. C'est important que ça nous trouve, n'est-ce pas, dans une capacité de pouvoir gérer ces choses-là. Parce que Dieu, il fait des choses de façon ordonnée. Il ne veut pas nous donner des choses d'abord. Il est important qu'il nous forme avant de nous remplir. Et ces cours sont organisés dans ce contexte-là où on veut avoir une formation. Et cette formation, ce n'est pas seulement nous aider dans le cadre du ministère, non. C'est dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, à quelque niveau où vous soyez. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être dans le ministère, effectivement. Mais c'est profitable à tout point de vue. Et ça, c'est offert à tout le monde. Et ce cours a été payé par l'Église. Donc, vous n'avez rien à débourser pour ça. C'est payé par l'Église. Et notre invité, c'est quelqu'un qui est très connu. Monsieur Pierre Bergeron. C'est un pasteur. C'est un coach. Il coach des pasteurs. Et c'est un retraité de l'armée. Un colonel de l'armée des forces armées canadiennes. Donc, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui ne va pas juste dire des choses théoriques, mais c'est basé sur un vécu. Un colonel des forces armées canadiennes, c'est quelqu'un qui a dirigé des gens, qui a eu des bataillons derrière lui. Donc, il a un vécu. Et ce qui est important, c'est qu'il vient nous apprendre ces choses, les partager avec nous, mais dans une optique d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur. Donc, c'est des choses qui sont basées sur la parole. Et c'est quelqu'un qui fait partie de la grande famille de John Maxwell. Et ça, c'est une firme qui travaille avec des pays, avec des grands organismes, n'est-ce pas, dans le cadre de coaching. Et ça a pris plus d'une année pour pouvoir nous accommoder avec son horaire. Et là, c'est fait. Ça sera donc pour le 5 novembre. Mettez ça à votre agenda, ça sera une journée entière, de 9h à 16h. Et dans les prochaines semaines, il nous enverra des cahiers, c'est-à-dire la matière, et nous allons les distribuer. Ça va nous permettre de prendre le temps de nous préparer. Donc, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Tout le monde est invité à cette formation-là. Et l'Église est soucieuse, n'est-ce pas, d'offrir cette formation-là. En attendant que Jésus revienne, que nous allions au ciel, il y a des choses que nous avons à accomplir ici. N'est-ce pas? Nous avons des choses à accomplir et c'est dans ce cadre-là que cette formation-là est offerte. Donc, mettez ça à votre agenda, invitez quelqu'un dans les départements, encouragez les ouvriers de département le 5 novembre de 9h à 16h. Voilà donc pour l'annonce sur la formation, sur le leadership. Merci beaucoup. Nous allons nous lever et terminer notre culte. Père de gloire, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, toi qui nous as attirés aujourd'hui à toi, Seigneur. Et nous savons que tu fais toutes choses à dessein. Tu ne fais jamais rien, Seigneur, au hasard. Et nous te disons merci parce que toi, tu connaissais, Seigneur. Tu connais le besoin de ton peuple. Tu connais les défis de ton peuple. Tu connais les attentes de ton peuple. Tu connais les expectatives de ton peuple. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui est tombée, Seigneur, à pic pour nous dire le ciel est
est ouvert. Le ciel est ouvert, Seigneur, pour quelqu'un, dans quelque domaine que ce soit, où les choses semblaient être obscurcies. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous confirmes, Seigneur, que le ciel est ouvert. Et quand tu ouvres le ciel, Seigneur, tu ne l'ouvres pas, Seigneur, pour rien, mais tu l'ouvres pour un dessein, pour faire descendre, Seigneur, ta bénédiction. Et ton peuple, Seigneur, et en attente, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, disposés à recevoir, Seigneur, pleinement ce que tu as pour nous. Et nous te disons merci au-delà de toutes choses, parce que tu nous donnes ton esprit. Avec l'esprit qui est notre partenaire par excellence, nous avons l'assurance que nous allons marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seigneur, nous te disons merci parce que la bénédiction est pour nous, mais la gloire reste pour toi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Sauveur et la communion du Saint-Esprit soient notre partage maintenant et pour toujours. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse le mercredi pour la prière.